Ok, bye mamie et papy, je vous aime. Oh, bonjour. J'aurais jamais pensé de dire ça un jour, mais je m'ennuie de l'école. Faut dire comment je me suis bien occupée. J'en ai tué des virus. Moi, l'horaire à ma mère, je suis plus capable. Entre les multiplications, la lecture, le sport, les travaux ménagers. Je me dis que je serais bien mieux à l'école. En tout cas, je suis loin d'être en congé. Puis je m'ennuie de vous autres. N'oubliez pas d'appliquer les conseils pour votre sécurité et celle des autres. Puis ça va bien aller. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je trouve vraiment ton nom. J'ai hâte de vous revoir en mai. Comme vous voyez, je suis pas chère aujourd'hui. Je suis encore en pyjama. Et moi, j'ai hâte de faire des maths avec Mélanie. Comme vous savez, j'aime beaucoup, beaucoup les maths. Puis, ben, je vous fais un gros bisou à tout le monde. Bye bye! Bonjour, je vais présenter Aviel. Il est vraiment mignon, tout ça. Il est super mignon. Ah, puis tout va bien ici, hein? C'est ça que tu voulais dire? Et tout va bien ici. Mm-hmm. Il va très bien, il est en forme. Et toi? Et moi, j'en suis... Et ben moi, je suis en super en forme. C'est un bonjour à toutes tes amies. Et bonjour à toutes mes amies. Ton professeur. Et mon professeur. Tiens, bye bye. Alors, bye. Bonjour, c'est juste pour vous dire que tout va bien ici. Et je dis bonjour à mes amis, à mes professeurs. Et c'est juste pour vous dire bonjour et à tous. Puis, maintenant, je vais vous présenter mon animal, Bucky. C'est mon tigre, c'est mon petit lapin. Bye! Que l'école recommence, j'en peux plus. Venez me chercher, s'il vous plaît. Ben non, on s'ennuie de l'école, puis ben on passe des bons moments à la maison aussi. Je vais vous en profiter pour vous dire un petit message que je savais que j'aimais l'école, mais pas autant que ça. Je m'ennuie de vous, je vous aime. Moi aussi, j'en profite pour faire un petit message pour dire que je m'ennuie de vous, les enseignants, de mes amis qui sont encore au primaire. Et j'en profite pour faire une petite leçon. Prenez soin de vos proches et appelez-les, ayez du plaisir, même si vous êtes à la maison.